yo tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce petit déjeu 2. On va refaire du Shovel Knight Plague of Shadow. On va essayer de terminer. Alors, Trox m'a eu un code pour Blood Bowl 2. Les gens voulaient voir un petit peu à quoi ça ressemblait hier. Et ben, on a un code. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on le fera demain ou après-demain. Je verrai bien. Je pense qu'on le fera demain et après-demain, on fera du Mario Kart 8 ou du Splatoon. On avisera le moment venu. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Le chat. Et on va commencer avec les news, comme d'hab. Les news qui sont, n'ayons pas peur des mots, qui sont assez pauvres ce matin. On va commencer avec Dragon Age Inquisition. Alors, hier, il y a eu une news sur JVC. On sait pas. Eh ben, on le sait qu'il y aura un GOTY, un trailer qui l'annonce. 6 octobre aux États-Unis. Peut-être que ça, la Fnac.com annonçait le 15 octobre. Donc, une version GOTY de Dragon Age Inquisition. Voilà, souvent noté comme GOTY, comme des RPG. C'est vrai que le jeu elle avait l'air intéressant, je l'ai vu plusieurs fois en promo sur le PS Store. Bah, pour moi, c'est vraiment l'occasion de l'essayer. Elle a vraiment sympa ce Dragon Age Inquisition. Donc voilà, le GOTY qui sort avec tous les DLC. Donc, comment il s'appelle les trucs? Ah, le Croc Dacon et la descente de Trépasseur. Donc voilà, tous les contenus, tous les DLC à l'intérieur. Ça sortira le 6 octobre aux États-Unis, le 15 octobre en Europe. Et voilà, hop, on continue avec cette collector, qu'elle est moche, cette collector pour le Call of Duty Black Ops 3. Mon dieu, il y a un mec qui a été payé pour dessiner ça. Il y a un mec qui a été payé pour dire, hey, tiens, je vais dessiner ce truc. Et c'est ouf. Et c'est ouf de se dire qu'il y a un mec qui a été payé pour dessiner ça, quoi. C'est chaud, c'est moche. C'est très, 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 très moche. Très, 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 très moche. Donc voilà, avec le DLC Nuketown, le jeu, une manette très moche, hein, noir et orange. Parce que, limite, la lumière aurait été au rouge ou orange. Je veux bien comprendre, il y a un truc avec le rouge, je mets la lumière bleue avec le truc. Là, c'est... Ah que c'est moche, cette collector. Ça donne pas envie. Et qu'est-ce qui donne pas envie? Eh ben, c'est le report de, en 2016... de Hitman pour ajouter plus de contenu au lancement. Alors c'est une bonne chose, j'ai envie de vous dire, de reporter finalement reporter un jeu pour avoir plus de contenu. Au moins c'est pour une bonne raison. C'est cool, au lieu de bâcler le jeu, bah tiens, on va le déplacer à mars 2016, au moins il y aura du contenu. Et on nous propose, on dit que la map de Paris sera juste énorme. Elle sera énorme. On va juste terminer avec un petit texte, une petite parole des développeurs. Nous voulons être absolument sûrs que vous aurez toute la meilleure expérience quand vous rejoindrez le jeu. Nous avons donc pris la difficile décision de déplacer la date de sortie initiale à mars 2016. Ces quelques mois supplémentaires nous permettront d'ajouter plus de contenu au lancement du jeu, plus que nous avions prévu à la base, d'offrir un rythme mis à jour plus serré, ce qui mènerait à la création d'un meilleur jeu possible pour tout le monde. En fin de compte, c'est tout ce que nous cherchons tous. Déplacer une date de sortie n'est jamais une décision facile. Nous savons que c'est frustrant d'avoir à attendre un peu plus pour un jeu. Mais nous pensons vraiment que cela nous permettrait de réaliser une expérience et un lancement bien meilleur. Nous partagerons plus de détails la semaine prochaine à propos du planning de sortie. Donc au moins, 6 fois plus grande, 6 fois plus grande hein, que les missions d'absolution. C'est juste énorme. Après avoir, mais je suis plutôt confiant. Déjà le fait qu'ils mettent un peu plus, ils décalent un peu plus tout ça, je trouve ça plutôt cool. C'est une bonne chose finalement de décaler le jeu de quelques mois pour faire un jeu meilleur. Bah pour moi c'est la bonne solution. Au lieu de vouloir rusher et faire de la merde, au moins ça sera un contenu au moins intéressant. Et on termine les news pour annoncer que bah au mois d'octobre vous aurez un DLC Catwoman Revenge. Sortira en octobre sur Xbox One et PS4. PC un peu plus tard sans doute, parce que UFC a eu des petits problèmes avec la version Steam. Donc voilà. Le mois prochain, vous aurez une histoire autour de Catwoman. Bon, on verra bien, on verra bien. Et c'est tout. Voilà, il y a vraiment que dalle en news. Hein. Il y a vraiment que dalle. Donc on va passer au jeu du jour qui est... Ah, mes oreilles! Putain, la musique, je me suis pris la max. Attendez. Voilà. Bon, du coup, on va continuer notre partie. On avait pas mal avancé, on a eu pas mal de sorts.
pas mal de trucs annexes aussi. Et on va continuer cette petite partie, je veux dire ce profil, oui. Donc rappelez-vous, on venait de battre le Mole Knight. On a 10 000 de thunes, on va faire, quoi, peut-être aller directement acheter les upgrades au village, enfin dans le souterrain du village pour être précis. Logiquement le son est bon et pas trop fort, dites-le moi le chat là, si vous avez bien le son. Donc là on peut acheter les upgrades, hashtag, qu'est-ce qu'on peut avoir? Il n'y a pas eu aussi une upgrade de... Alors achat, qu'est-ce qu'on a? Tournoi autour de vous, ça peut être stylé ça. Hop. On a quoi là? Produit des flammes qui grimpent le long des murs, produit une série d'explosions. Essayons ça. Est-ce qu'on t'a crié? Ouais, non, mais c'est juste que, en fait, elles sont à fond dans mes oreilles. Elles sont vénères. Alors, voyons voir. On a débloqué ça maintenant. Ça peut être sympa. En fait, ça peut faire un super bouclier, ça, finalement. Attendez, si je prends ça. Ah, ça peut être intéressant, ça, pour se protéger. Si, imaginons, je prends. Intéressant. Ok, bon, je garde ça, le truc, comme ça. Mais le contenu est plutôt intéressant, finalement, de voir un truc qui se protège. Hop. Ah, merde. Ok. Juste quitter le truc, en fait. Très bien, bon. Je crois que si je vais acheter une upgrade, ça va me coûter encore 3000. Ok. Est-ce que j'ai une note de musique, aussi. Oui. Allez, 6500, ça coûte la peau du cul, quand même, là. Hein. Ah, il me propose des notes de musique, excellent, ouais. Ok, très bien, maintenant on va aller voir de l'autre côté, quoi. Allons voir, promenons-nous pépère. Ah, le fond vert est un peu dégueulasse, je suis désolé. Attendez. Colors. Là, c'est bon. Du coup, on va aller là voir qu'est-ce qu'il y a, si on peut pas débloquer les trucs. Tous les sbires sont là. Qu'est-ce que je peux acheter? 7500, ouais, pour avoir 10 toniques en plus. Ouais, y a pas grand-chose quand même, hein. Moi, je pense qu'ils vont passer à autre chose à un moment. Enfin, là, ils vont faire le contenu pour la version Wii U avec le mode coop. Donc, ça occupera pas mal à mon avis. Et après, ils vont passer à un autre jeu, quoi. Parce que devenir le développeur de un jeu indépendant, ça va deux secondes. Hein. Hop, on bourre. Elle apporte quoi? Elle apporte une campagne différente avec le Plague Knight. Qui a, on va dire, un gameplay totalement différent. Avec pas des... Enfin, il y a un truc à la Mega Man, mais en gros, vous avez des potions qu'on peut personnaliser. Genre, je peux choisir la direction, le type de bombe et la... On va dire le... Donc ouais, c'est... Par contre, il n'y a pas de nouveau level. Là, c'est un peu dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait vraiment de level, un level design vraiment conçu spécialement pour le truc. Mais sinon, ouais, c'est cool. À part le début avec le saut de merde qu'on a de base, qui est vraiment pourrable, le jeu est cool. Hop. Mais sinon, c'est cool, ouais. Merde, où est-ce que je suis? Ah, je suis là. Bon, je me suis auto-bourré la gueule, c'est parfait. L'auto-bourrage, rien de tel. De toute façon, il est bloqué, hein. Il est bloqué, après on fera... Ouais, bon, hop. De plein, c'est tellement craqué quand même.
Ah, je vois pas en fait quand est-ce que je veux ou pas quoi. La musique cool, voilà, la musique elle lasse quand même un petit peu à force. Hein. J'ai beau aimer la musique de Shovel Knight, à un moment elle est un peu casse-couille. Hein. Il y a un moment où elle lasse un petit peu quand même. Hein. Putain, c'est d'avoir chopé mon truc là. Ok, on a terminé, il y a juste ça à faire, très bien. 7000, c'est pas 7500 malheureusement. Allez, faisons le Treasure Knight. Le niveau aquatique, à la Bubble Man. Hop. Alors du coup, est-ce que je peux casser les trucs avec ça? Alors, on peut pas casser les trucs comme dans Shovel Knight de Vanilla, on va dire. Bon, du coup, là on va prendre la bombe à pas pour trouver ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Ok, ça veut dire nique-toi. Hop, de la thune, vite dépêchons avant que ça se disparaisse. Hop, voilà, c'est mon petit passage secret. Rien qu'en haut. Un petit coffre, je dis pas non. Les pièces vertes qui permettent d'avoir des upgrades, enfin de pouvoir acheter des nouveaux trucs dans le village. Un élixir, parfait. Hop. Il faut utiliser le nuage pour dans ce cas-là. Avec le nuage comme ça, je suis invincible, c'est ça, la bombe fumigène. Ça marche vraiment. Et je suis vraiment invincible, genre je peux tout traverser. Putain, mais y'a pas un truc, un système où en fait le knockback il marche bien, enfin il marche. Putain, j'ai quand même pas crevé là-dessus. Et si, c'est bien prévu comme. Bon, dans ce cas-là, hop. Je prends mon liquide de sangsue. Je regagne de la vie, pépère. Tellement craqué de la liquide du sangsue. Hop. Petite liquide de sangsue. Voilà. Et un peu de vie gratuite. Tellement craqué cet objet quand même. Enfin, ce pouvoir-là, en fait, si je le frappe, eh ben, je regagne de la vie. C'est bien, bien pratique, ma foi. Ok, oula. Eh merde, il y avait un truc là, je suis con. Non mais... Merci. Je suis pas con, il y a bien un truc là. Merde. Comment j'ai passé ça en fait? Ok, ça passe tranquillement. Un peu de thune. On prend la bombe à pas pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là-dedans. Ah merde, le poisson maïf. Logique. Allez hop. 1, 2. Les.
Hop. Alors elle ou lui, je ne sais plus. On va se casser tranquillement. Oh merde, la tour qui part. Bon, on s'en fout. C'est pas grand chose. Ok, encore la bombe à pas. Parfait. Un élixir, un tonique, on prend. Mais enfin, on va en fait, pour ce placement, en fait, l'élixir permet d'avoir un point de vie en plus provisoirement. C'est-à-dire, tant que je ne suis pas mort, j'ai encore ce point de vie gratuit. Mais si je me prends, enfin, si je meurs, bah, je le perds. Donc, vraiment, ce côté risk and reward, c'est est-ce que je vais utiliser ça maintenant ou pas? Même si moi en pratique j'utilise seulement bah quand j'ai le maximum quoi. Hop, liquide de sangsue. Hop, allez, elle commence à revenir super bien le liquide de sangsue, c'est complètement craqué quand même de ce côté là. Il n'y avait pas un truc à gauche là, attendez. Non, c'est pas un passage, je suis con. Le level design est tellement craqué avec le fait de pouvoir sauter en planant comme ça, n'empêche. Au début, je me payais du saut de base assez nul à chier, mais là, c'est quand même totalement craqué. Quoi, faut pas aller là? Quoi? Bah attendez, où est-ce qu'on va du coup? Oh mais putain, je me prends les pics, je mets que les pics dans ce jeu, ça tue comme dans Mega Man. Bon, je me rends à l'infini, je perds toute ma thune, c'est parfait. Allez, on va se concentrer un petit peu, là on fait un peu du caca là, hein. Ok. Et du coup là j'ai plus mes points de vie gratuits avec le tonic, vous voyez. Passer là, on me dit. On va passer par là. Ah, pardon, il y a un truc à droite, je l'avais pas vu là. Ah oui, c'est un passage secret, je suis con en fait. Oh, mais je suis débile des fois. La débilité à son paroxysme des fois. Hein. Du coup, là, je vais changer ma pompe, je vais prendre cascade. En mèche rapide. Il y a eu changé, je vais reprendre poudre noire. Ah merde, vraiment rapide là pour le coup. Mèche standard. Je vais prendre la bombe fumigène. Checkpoint. Allez, on avance. On est bien. Donc là, c'est un boss. Donc là, je me souviens qu'il faut prendre urne en cloche à la limite, vu que là, le truc est en haut. Et on va prendre poudre à répétition.
Ça va être craqué avec ce que j'ai là. Hop, je vais prendre juste quand même le type de sangsue. Fait tellement mal et ça rapporte beaucoup de garder. Hop, un point de vie gratuit. Alors il y a tellement des combos craqués en fait. Voilà, une relique en gros entre guillemets, je vais pouvoir. En fait, les reliques ça a entre guillemets échangé presque gratuitement les sorts cachés en fait. Pour expliquer en gros l'idée. En gros, vous savez que les mecs, les mecs dans les trésors qui donnent des pouvoirs dans Shovel Knight. Et ben en fait, vous échangez contre les objets des trésors et vous avez des objets gratuits. Enfin, vous avez des objets gratuits. Après, on peut les dépenser contre de la thune, bien sûr. Oh là là, vous faites troller par ça. Poudre noire. Oh là, je suis tellement content de l'avoir vu jouer à Devil Sword. Ah, je suis quand même un enfoiré, mais quand même, je suis tellement content de ma connerie. Le pauvre quand même. Il voulait jouer au jeu, il est tombé sur le tuto de l'infini. Allez, du coup, bombe à pas. Ah, c'était parfait, hein. Hop. Mais ça valait bien le coup. Ça valait le coup de le voir jouer à ce grand jeu. Hein. Putain, mais là, je vais juste crever. Merci. Merde. Là, je vais prendre en cloche. Hop. Pour gagner un peu de vie, c'est gratuit. Ça va être chaud ça. Hop. De la thune, c'est pas mal. Allez, les fameux missiles. Merde. Bon, concentration, je pense que je vais mettre. Ouais, déjà, je me reprends un coup gratuit là-dessus. Est-ce qu'on peut casser les missiles pour gagner de la thune? Enfin, gagner de la thune, gagner de la vie, excusez-moi. Hop, checkpoint, au moins ça c'est bon. Oh, je vais me faire plaisir là, avec ces bestioles-là. Merde. Y'a quoi, y'a pas un... Oh là. Hop, élixir. Bon, en même temps, c'est un TPS, il aime pas ça les TPS, c'est un jeu où il faut tirer. À part Splatoon, il n'aime pas les TPS karaté, quoi qu'il arrive, donc... à base de ça... Bon, que je vais faire, je vais balancer messe chantinelle, urne en cloche, poudre à répétition. Voilà.
Hop là, et il meurt, parfait. Ok, ça fait quand même pas mal de dégâts cette connerie. Hein. Rebondissante, noir, affamé. Putain, le nombre de trucs verts par contre. Putain, par contre, ça c'est chiant. Parce que vu que là je n'ai. Oh, mais j'ai pas touché, j'ai fait le saut là. Pour les 5 secondes. Mais sérieusement, c'est n'importe quoi. On va refaire le chemin. Bonne ambiance. Ah, je peux gruger un saut en plus en fait avec ça. Ou pas. Ouais, non, je perds toute ma thune de l'infini. Par contre, faut que je fasse gaffe. Ah non, mais c'était drôle. Avec Carnel, bah quand Carnel sera là à nouveau, quoi. Là, il est en arrêt maladie. Encore une fois, les gens arrêtés. Donc là, pour l'instant, on peut pas parce qu'il est un limbago. Donc là, il peut pas physiquement. Merde. Non mais sérieusement? Merci. Hop. Poudre noire. Bon, cette fois, on va mettre téléguidé à mon ami. Putain, c'est chiant en fait. Faut vraiment. Oh putain, rival au laser. Je sais pas, moi ce que j'aime pas c'est vraiment le style Fury dégueulasse quoi. S'il y a un truc qui me fait peur, c'est vraiment les Fury. Dans quoi comme jeu pour Noël? Xenoblade Chronicle X à la limite éventuellement. Putain, c'est chiant quoi, je peux rien faire en fait là. Ou faire ça, mais c'est vraiment risqué quoi. Bon, ça va être gratuit car j'ai la rune qui veut. En fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, on apprend que c'est comme ça que bah, Shovel Knight trouve les trésors, en fait. C'est grâce en faisant échange comme ça, à la relique. Ah, le café. Hop. Donc, ça fait quoi, ce truc? Ah, bah, ça fait une pétanque en plus. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui arrive à Noël en même temps. Y'a quoi, y a pas grand chose hein. Chez Nintendo y'a pas grand chose pour Noël, pour Noël précisément hein, parce qu'il y a quand même là Mario Maker qui va m'occuper, mais ouais là y a quoi. Star Fox c'est décalé, Hyrule Warriors Legends c'est pas avant un moment. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas grand chose de ce côté là hein. Parce que là, franchement, vous allez demander quoi à Noël en jeu, quoi. Y a pas grand-chose, hein. Même sur PS4 et One, hein, vous avez quoi? Vous avez limite Halo? Voilà, je crois. Oh merde. Non! Oh non, mais sérieusement, j'ai glissé!
Ça sort le 21 janvier au Japon, donc on l'aura pas avant un moment en Europe, hein, il y a Warriors Legend, hein. Pas avant février, je pense. Pas avant février. Fallout 4, c'est vrai, Fallout 4 il sort, mais c'est en novembre, c'est pas vraiment Noël, tu vois. Mais Fallout 4, j'attends ce jeu grandement aussi. Fallout 4, c'est novembre, c'est pas vraiment Noël. Metroid Prime Federation Force, moi j'attends de voir, moi je suis pas aussi fermé que les autres. J'attends de voir. Je peux essayer, je l'ai pas essayé, donc moi je on peut pas dire qu'il est mauvais Federation Force, on l'a pas essayé. Enfin voilà, personnellement s'ils font un jeu multi sympa, moi je dis pas non quoi. Allez, sincèrement, si c'est comme le multi Hunters qui était pas si dégueulasse que ça, moi je dis pourquoi pas hein. C'est juste que, oh là là, c'est pas Metroid que je voulais, donc c'est non. Ok les mecs. Vous êtes bien cons. Just Cause 3, il va être craqué ce jeu. Hein. Le 2 était complètement craqué. Need for Speed aussi a l'air sympa. Il sort 5 novembre, ouais c'est novembre. Pomme, pourquoi pas. Oh putain, non. Ah oh, putain, mais j'y arrivais. Ah c'est ça, c'est tout un peu, c'est pas Samus, c'est pas un vrai Metroid. Oh là là les mecs quoi. C'est les mecs qui chillent sur Hyrule Warriors quoi, alors que le jeu est sympa et que les gens ont beaucoup acheté finalement donc. Ah mais je vais y arriver à voir ce truc. Putain mais, toi tu as fermé ta putain de gueule, merci. Ah j'ai une idée, bah j'ai ça au pire, attendez. Bah Call of Duty il a l'air honnête comme jeu, enfin les gens chialent sur Call of Duty, mais désolé hein, mais les Call of Duty ça reste des jeux honnêtes hein. Rapide. Moi j'adore les Metroid Prime, vous voyez par exemple. Ouais, Metroid Prime, je kiffe bien ma race. Poulet. Poulet. Il y a un petit truc sur la gauche. Un élixir, hop, enfin un tonix, on appelle ça déjà. Gros poulet. Project 05, Yakuza 5, Disgaea 5, ouais, des jeux qui ne se vendront pas. Mais ouais, Project 05, je sais pas, Yakuza 5, faut voir. J'aimerais bien que le 4 sorte en Europe, hein. Ça serait bien qu'un jour il en parle, qu'il sorte ce putain de jeu, mais... Ils ont pas envie. Ils avaient dit, ouais, on va le sortir, ouais, mais vous sortez quand les mecs? Faut arrêter de vous foutre de notre gueule, il y a un moment, on stop, quoi. Merde. J'ai pas besoin de ça en fait. Ah si j'en aurais besoin finalement. Oh non, j'ai pas besoin. Le 4 c'est lequel qui s'est pas sorti? Je sais qu'il y en a un qui est pas sorti. Oh le 4 est sorti, c'est le 5 ouais. Je confonds.
Bien qu'il y en avait un qui n'était pas sorti en Europe. Déjà le 3 qui était censuré, quoi. Mais ouais, je sais plus cette clé qu'il nous avait promis. Eh bien, Plagnar et ta chimiche n'en rapportent plus assez. Tu es venu t'enlever un peu les poches. Les coffres de l'or sont-ils à sec? Blablabla. Ah, le méchant. Du coup, on va prendre mèche sentinelle. Hop. Non, c'est pas ça que je veux. Hop. Putain, les dégâts que ça fait en plus, la vie que ça me rapporte. Le meilleur 2-in-1 de l'univers, regardez. Les dégâts que je fais en plus, ça me régénère. C'est parfait. Hein. Totalement gratuit ce combo. Si le mec il est pas mobile, tu le balances ça, ça fait plusieurs hits, ça me régénère. Complètement craqué ce combo. Oh là là, quoi, ça veut rien dire. Ça veut rien dire ce combo. Ça veut tellement rien dire. Et c'était pas ça que j'ai oublié, mais n'hésitez pas à réagir sur le hashtag PetitDJ2, bien sûr. Si vous avez des réactions ou autres. Bon, non, à part soigne-toi bien. Ah, Cardel, c'est gentil, Naros. Donc, on a 5 essences, on s'approche du but. On va peut-être le terminer, n'empêche, ce jeu. Ah, Plague of Shadow aujourd'hui. Hein. Ah, il faut que j'approche. Bouge ta main sur la mienne. Oh, c'est mignon! Ah, couvre le courant. On lui a tout volé, c'est ça? Non. Repousser les forces ténèbres, car moi, Percy, j'ai rétabli l'alimentation. Comment ça va? Ok. Oh, c'est tellement mignon. Le Plague Knight qui est amoureux de l'alchimiste, mais qui ose pas, quoi. Voilà. Alors, recharge, j'ai pas assez, je présume. Il faut 80, j'ai pas assez. J'ai 10 000, je peux acheter quoi? Ah, je peux faire quand ça pète, c'est pas mal ça. Produit des flammes. Ça peut être pas mal ça. Ça en mèche rapide pour voir. Ok, ça fait deux petites flammes. Pourquoi pas. Bon, prenons une upgrade en termes de magie. Voilà, plus de mana. Voilà, très bien. Bon, récoltons de la thune. La dernière zone avec les trois derniers boss et après le château. La carrière s'en fout, allons-y. Ok, il y a un truc que j'ai... Ah, merde, ok, j'ai compris, il fallait mettre un truc en bas là. La plateforme à la con. J'ai pigé. Hop. C'est ça qui me dit. Voilà, la richesse de créer un truc là. Le DLC est sympa, mais c'est vrai que le level design est vraiment pas adapté sur certains trucs quoi. Puis même le début est quand même assez lourdingue. Hein.
pas se passer là, non. Mais l'idée, les idées sont cool. Après, ça fait un new game plus, quoi, entre guillemets. Enfin, un new game différent, quoi. Mais c'est vrai que le LD, quand même, soupe, même le saut du départ, quoi. Voilà. N'empêche, j'ai craqué le pouvoir, truc comme ça. Là, on peut vraiment faire limite des sauts à l'infini. Enfin, à l'infini. Alternatif, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà, quand on me donne de quoi sauter, je suis content. Finalement. Un rebondisseur. En plus, il y a masse pièces vertes, c'est tranquille, ça. Ah, là, on est bien. Quand même, là-dessus, on est bien. Re de la thune, allez, re de la thune, on prend. Alors, par exemple, ça, j'ai mon petit bureau à Webedia maintenant. J'ai mon petit bureau. Alors, j'avais pas de bureau ici à Strasbourg-Sanier, maintenant j'ai mon petit bureau. Hier, j'ai pu voir mon. J'étais très, très content. Là, j'ai ramené des filles. J'ai ramené des Megazords pour décorer mon bureau quand même. Histoire qu'on se dise, c'est le bureau de GE2, c'est n'importe quoi, mais j'ai mis des Megazords comme un adulte responsable, bien sûr. Et Plague Doctor, ça a vraiment existé, ouais. Bah, avec à jouer à Bloodborne, vous envoyez les Plague Doctor, par exemple. Je vous prendrai une photo du bureau tout à l'heure, si vous voulez. Cet après-midi. En plus que le CDI. Alors... Pas maintenant, mais j'ai quand même des avancées là-dessus. Là, on est à Strasbourg-Saint-Denis, là. Strasbourg-Saint-Denis, attention. Strasbourg-Saint-Denis n'est pas Strasbourg, hein. Ne faites pas l'amalgame. Hop. Je pense que si j'ai pas mal de thunes, j'ai acheté des dernières améliorations qui me servent à rien. Ouais, ce que je vais faire. 6700. Allez, merde, pas là. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça, ça peut être pas mal. Hors de temps. Ça j'ai un doute mais je le prends quand même, sûr de me débarrasser de la thune. Comme un Balkany. Alors on a quoi du coup? On a des nouveaux trucs, on a urne flottante, ça fait quoi? Ok, mais c'est mèche courte là, si je mets mèche standard. Et si je mets mèche longue. Ok. Et là c'est en deux temps je présume. C'est pas mal ça. Du coup ça veut dire que là par exemple je peux faire une rebondissante avec poudre à répétition et faire c'est pas mal. C'est pas mal. Et Camille de la réception. Alors j'ai pas vu la Camille en question. J'ai vu une gentille dame blonde finalement. Très sympathique. Qui m'a donné mon badge pour Webedia. Mais je n'ai pas vu la fameuse Camille, malheureusement. Grande déception, je n'ai pas vu la fameuse Camille. Ah, la chimiste de l'ordre. Attrapez-le, il ne pourra pas nous battre. Hop. Alors que Verdi en a tellement parlé hein, pendant le Morpas au ton pif. De cette charmante réceptionniste. Mais bon, j'ai foi un matin la voir. Ça c'est tous les backers, si je dis pas de bêtises, les mecs ont donné pour le kickstart. On peut casser les tableaux. Ouah, il est vénère lui. Ok.
C'est moi, j'ai chopé une pièce. Attendez. Il y a des trucs cachés à l'intérieur? Attendez. Ouais. Il y a de la thune, attendez, c'est ça que on va faire tous les tableaux. On va casser tous les tableaux des backers. Des backers, les backers, c'est les boulangers. Ah, il y a bien les pièces vertes. On va tout péter les portraits, parce qu'on a de l'argent. T'imagines le mec, il a dépensé de la thune pour des Shovel Knight pour aider. Et le mec, son tableau est totalement explosé par un joueur, quoi. Allez, il y a une pièce verte là, j'ai bien fait de regarder. Bon, il y a quoi en bas? Et après ce niveau là, on va faire. Bonjour mademoiselle, camarade oiseau, c'est pas si style. Petite danse et après on fera la première pause et on ira l'horoscope et la météo bien sûr. Est-ce que je peux prendre à la limite? Partager les locaux avec qui cette fois? Bah on partage les locaux avec Millennium, JVC, tout ça en fait. Là on partage l'étage en gros, on est avec à côté, juste à côté de Millennium et JVC. Une petite pièce verte là. Ok, y a rien là. Hop, le mec, il est niqué. Tellement craqué ce pouvoir quand même. Les explosions qu'il fait le truc. C'est bien craqué de ouf. Et après, c'est parce qu'on est à côté qu'on a autant je suis qu'on attaque du vaisseau, Millennium, je vous avouerai que je m'en fous quoi. Je veux dire, ils font leur truc, on fait notre truc, ça que les. J'ai jamais assez, comme on dit dans le Pacifique, pas d'amalgame quoi. Je veux dire, c'est pas parce que dans la même boîte que forcément on va se sucer la bite et faire un truc tous ensemble quoi. Donc bon. Hop. Toi tu meurs. Là il y a un truc caché. On va quand même plutôt prendre, on va faire urne en cloche et bombe noire pour être plus vite quand même. Hop. Hop. Bon, beaucoup pour les dégâts parce qu'après au pire, j'ai toujours ma pose sur mon truc de sensu. Bon, hop. Pour la répétition. Tiens, hop. Prends ça. Voilà. Du coup, urne en cloche, poudre noire. On est bien. Là, il y a un pic à la con. Là, je suis déjà à 65 pièces vertes. Hein. Et bientôt aux 80 pour débloquer des nouveaux sorts, encore des nouvelles poudres et autres. Ah, il y a un truc caché à droite, à gauche là. Poudre à répétition, urne.
Hop, on enclenche, poudre noire. Euh, 67, ok. Re de la thune. Voilà. Plus qu'une salle, on aura fait tout le dessus. Je crois qu'on aura quand même le fantôme à battre. Si je dis pas de bêtises. Bon, très bien, il est bloqué. Parfait. Hop. Alors, Dark Node, Dark Road, pour cette question, je vais te dire, ça dépend du network, ça dépend de ce que tu fais. Parce que c'est facile à dire, est-ce que finalement... ça dépend. Alors, donc on a une réunion hier pour nous présenter Wobedio, c'est bien passé quand même. Ils sont en mode, bah ouais, faites ce que vous voulez, parce que si pour vous perdez votre ADN, ça sert à rien, quoi. Donc, on verra bien. Bah, ça s'est... ouais, bien passé la réunion. Non, je voulais pas faire ça. Mèche standard. Oh, mais j'ai pas fait tous les tableaux. J'ai pas fait tous les tableaux. Mais non, mais... mais putain, j'ai pas pu tout prendre! Oh, mais va te faire foutre! Oh, le... j'ai pas le temps de tout récolter, quoi! Merde! Bon. En tout cas, merde. Fais chier. Fait chier. Bon, on fait une petite pause de 5 minutes et on revient pour la suite de ce petit déjeuner toujours sur Shovel Knight Plague of Shadows. Jeu qui fait... ah, tu veux une pièce verte bam. Allez, à dans 5 minutes pour l'horoscope et la météo. À tout de suite. Et non, voilà, alors 5 secondes. Juste, il y a un moment où les 20 minutes, c'est pas à graffer. Allez, regardez, 20 minutes. Alors 5 secondes. Alors on donne les 20 minutes. Oh, oh bah. Ah bah, ah bah, ah bah dis donc, y'a pas d'agrafe. Ah bah dis donc mon journal. Ah bah mon journal. Oh y'a, oh mais, y'a tout qui se casse la gueule. Mais ça, y'a tout qui, oh mais, oh ça se casse la gueule. Oh y'a pas d'agrafe. Sérieusement. Oh, oh ça vole. Il pleut des bâtons. Bref, ça fait deux fois 20 minutes. Ça fait deux fois que... mon dieu, elles sont où les agrafes? Elles sont où? Hein? Hein, elles sont où? Ah, c'est... c'est en DLC les agrafes? C'est n'importe quoi. Bref, la météo. Voilà, parce que la météo... on reste sur la météo quand même. Voilà, scandale. Rembourser le journal gratuit. Rembourser le journal gratuit. Bref, aujourd'hui ça va, il fait mieux qu'hier. Hier c'était orage et pluie bien vénère. Là ça va, ça va. 16 degrés dans le nord, quelques nuages, rien de bien méchant. J'ai envie de vous dire, rien de bien vénère, hein, quelques nuages, ouais, bien des gros nuages. Pas beaucoup de soleil dans la Bretagne avec 17 degrés. Par contre, la Normandie Pepper, hein, 15-17 degrés. La côte ouest, 18 degrés, toujours du soleil, quelques nuages. Il va faire un peu frais, mais en même temps, on arrive en automne et c'est normal qu'il ne fasse pas aussi chaud. Donc, finalement, dans le sud, Pepper, et puis même s'il y a un peu de pluie, attention, la côte d'Azur qui va faire très beau, 20-21 degrés, mais à Monaco, des gros orages bien vénères. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est bien dommage. Par contre, l'Est, l'Est et les Lotières, hein, l'Est avec pas mal de pluie, 15 degrés, 14, 13 degrés, hein, là c'est... ah, les Rhône-Alpes, elles sont pas aidées les Rhône-Alpes, hein, c'est pas la joie, mais quand même, en... j'ai envie de dire, il fait correctement beau, il fait correctement beau, quelques nuages, quelques... un soleil, par contre, quelques fraîcheurs qui commencent à sentir l'automne sur la France, mais à part l'Est, Monaco est là...
Il fait pas si moche que ça, il fait pas si beau que ça, mais il fait surtout pas si moche que ça. Où sont mes lunettes? Voilà. Donc voilà, une météo, ça va. Alors maintenant, tu sais combien, il faut que je retrouve l'horoscope. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Où est l'horoscope? Ah, il est là. Ah, professionnel, hein. Ah, le froid commence. Ah bah c'est la fin de l'été en même temps, hein. Faut bien que ça s'arrête un petit peu. Un moment, faut... C'est logique, sinon ça serait le réchauffement climatique. Et ça serait bien vénère de ouf encore plus. Allez, c'est parti. On passe à l'horoscope. Voilà. Alors, les béliers. Les béliers, vous faites le bilan de vos expériences passées en vous promettant l'avenir de mieux écouter vos désirs. Donc les béliers, on fait le bilan simplement... finalement on aurait dit putain mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Donc oui, les béliers, quelques regrets on va dire, peut-être vous écoutez plus votre kokoro que votre projet professionnel. Les taureaux, les événements qui surviennent dans votre vie amènent à faire rapidement de nouveaux projets d'avenir. Alors, les taureaux, voilà, on s'est fait racheter par Webedia et on se dit est-ce que je vais rester là, est-ce que je vais partir. Donc les taureaux, on se dit peut-être faire des nouveaux projets d'avenir, pourquoi pas une nouvelle chaîne avec Zerator, à voir, à négocier. Gémeaux, tant bien que mal, vous parvenez à garder le contrôle face à des situations imprévues qui vous retarderaient. Eh ben les Gémeaux, on a un peu le seum, mais on reste froid, on reste cool malgré les situations qui vous mettent en retard et ça... C'est pas mal les Gémeaux finalement, malgré les petites coucougnettes dans les écrous, et ben vous arrivez à garder le contrôle et à ne pas être trop en retard. Ça c'est bien les Gémeaux, vous êtes quelqu'un de très efficace. Cancer, les attitudes de certaines personnes de votre entourage vous déconcertent, vous avez du mal à les comprendre. Et ben les cancers, vous allez commenter Achaf contre Tuo hier soir, grand match. On était à 2h30 hier, on a fait quasiment 2h30 de live et ça s'est terminé au deuxième personnage. Ça ne voulait rien dire. Donc ouais, les cancers, on est déconcertés par le choix de notre entourage et voilà finalement, mais vous avez du mal à les comprendre et c'est normal, on est un peu perdu les cancers. Mais vous allez apprendre à mieux connaître votre prochain, j'ai envie de vous dire. Lion, vous demeurez à l'affût de tout ce qui serait susceptible de pimenter votre vie pour changer les habitudes. Donc les lions, voilà, on se dit, putain, ma vie c'est chiant, on se fait chier. Et finalement, oh, opportunité, je vais sur Gleden, voilà, le site extra-conjugal pensé par des femmes qui a des pubs à l'infini dans le métro. Voilà, vous avez changé les habitudes, pimenté votre vie. Vierge, vous soignez votre image, par souci de plaire avant tout. Attention, cela ne peut déranger quelques-uns. Alors les vierges, on sait que vous êtes faux cul, et ça commence à se griller, donc faites gaffe les vierges. Certes, on soigne l'image, on serre des mains. Bonjour, alors c'est ici le troisième étage, le café. Ah, j'adore ce que vous avez fait sur Millennium. Ah, c'est parfait. Mais ça peut en déranger, c'est un peu grillé, mec. Le vierge là, wow, c'est grillé. Donc quoi, les vierges, faut faire un peu gaffe malgré tout, quoi. Balance, pas facile de trouver une épaule bienveillante qui sache vous écouter et ne pas dévoiler vos secrets. Donc les balances, et on est un peu fragile, on aimerait bien avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Malheureusement, on n'arrive pas à trouver la personne de confiance, la personne qui fait que ah, je suis safe avec mes secrets, je suis safe avec mon kokoro. Malheureusement, vous ne trouvez pas cette personne. Scorpion, plutôt que de rester là à attendre que l'on vienne vers vous, vous prenez les devants et forcez les discussions. Avec le scorpion, vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant. Et ça, c'est cool. Ah, d'ailleurs, sur le hashtag petit déjeu 2. Voilà, le journal, je vous dire, le journal avait dire quelque chose qui a pas. Est-ce que ça vaut la peine de faire des tweets avec les fautes d'orthographe, les mecs? C'est le matin. On est cool, on arrête, quoi. Oh là là là, quoi. Bref. On est cool ce matin, n'hésitez pas à réagir avec le jeu, avec le Skype aussi. Petit jeu, si vous ne l'avez pas vu, bah, n'hésitez pas à me le dire sur le chat. Hey, j'ai eu deux, j'aimerais te parler sur Skype et tu ne l'as pas vu.
N'hésitez pas. Alors, par contre, si vous voulez parler sur Skype, dites de quoi vous voulez parler. Sinon, je ne vous accepte pas. Bah, très bien, les scorpions, plutôt que de rester là et être passif, vous êtes actif, vous êtes vraiment à l'avant, vous êtes à l'affût, vous êtes quelqu'un, vous êtes un winner. Ouais, un winner. Bref, Capricorne, Sagittaire, vous avez le souci du détail et ne laissez rien passer de manière à garder le contrôle de la situation. Les Sagittaires, eh ben ça c'est cool. Vous avez souci du détail, c'est comme je dirais jamais, on passe vraiment du, comment dire, d'une journée où vous êtes plutôt efficace. Vous êtes vraiment le souci du détail. Vous savez, ce petit, je ne sais quoi, qui fait que votre travail est d'un travail convenable à un travail, c'est... Alors le Sagittaire, parlons de cette augmentation dans ce jacuzzi au 4e étage. Eh ben oui, Sagittaire, vous avez ce regard vif, vous avez ce souci du détail, de manière à garder le contrôle de la situation. Et ça, c'est beau, les Sagittaires, vous êtes vraiment hyper efficace aujourd'hui. Capricorne, eh ben Capricorne, vous ne vous attendiez pas à ce qui va arriver aujourd'hui. N'ayez crainte, l'événement sera heureux. Donc Capricorne, eh ben... voilà, les Capricornes, il y a une surprise, il y a une surprise, il y a une surprise, on sait pas trop, mais l'événement sera heureux. Et c'est ça, tout ce qu'on veut, certes, surprise. Et bien finalement, la surprise, elle est cool. Plutôt une bonne journée, les Capricornes. Verseau, tout ce qui peut freiner votre évolution et vous empêcher de concrétiser vos désirs vous agace vraiment. Donc les Verseaux, On en a un peu marre de cette situation où on est un peu perdu, j'ai envie de vous dire quoi, un peu perdu de tout ça. Et ça vous énerve, vous restez un peu calme malgré tout, mais allez-y. Poisson, vous avez besoin des encouragements de votre entourage pour vous motiver dans la réalisation de vos projets. Et ben les poissons, on croit en vous, allez écoutez votre frère, votre concierge, je ne sais pas, écoutez votre entourage, croyez en vous, crois en moi qui crois en toi, vas-y Simon, perce les cieux avec ton collier, donc on y croit les poissons, croyez en vous et percez les cieux. Et c'est tout pour l'horoscope, c'est déjà pas mal, j'enlève mes lunettes du swag, hop, voilà. Et on va passer de retour sur le jeu. Voilà. On a quand même bien avancé dans le jeu, hein. Je pense qu'on peut le terminer éventuellement. Il nous reste quoi, 1h30 quoi, 1h45. Ouais, 1h30 à peu près. Navire échoué, repère du Polar Knight. On va faire le Propeller Knight. Ou quoi, le Tinker Knight, tiens, allons-y. Hop. Ok, alors. Avec la scène, c'est mieux. Enfin, pour voir le jeu, c'est mieux d'avoir le jeu. Le saviez-vous? C'est mieux d'avoir le jeu avec le jeu. Hey! Genius! Genius. Incroyable. Cet homme va faire une découverte. Les gens comprennent mieux ce qui se passe à l'écran si ça se passe à l'écran. Allez, c'est parti. Niveau de l'angoisse, parce que ça va être chiant avec les, ouais, les fameux petits tapis. Alors, hop, on enlève le truc. Je me souviens plus de cette musique, tiens. Oh, mais casse-toi, je pense que je vais prendre le truc téléguidé. Hein. Voilà. Hop, de la thune, oh merde, il y avait encore une souris. Ah oui, le fameux rouage qu'on va échanger avec le mec au trésor. Hop. Boum. En fait, j'ai craqué ça. Ah merde, c'est vrai qu'il faut. Putain, c'est chiant ça quand ça arrive. Cube, c'est pas mal en fait. Cube, c'est pour les phases de plateforme, c'est cool. Et pour les phases de combat, bah le sang de sangsue, c'est craqué. Hein. Non, la potion de sangsue, comment ils appellent ça déjà? Ils appellent ça.
Liquide et sangsue. Hop, de la thune. Mais j'ai sauté! Mais j'ai sauté, c'est un scandale! Je ne suis pas énervé, juste déçu. Ouais, je ne suis pas énervé, juste déçu du comportement du jeu vidéo. Bon, heureusement que ça va vite avec le pouvoir comme ça, quoi. Allez, casse-toi. J'en ai rien à battre. Tu fais ce que tu veux, t'es un grand garçon. Allez, hop, on retente. Hop. Alors, je sais pas, en même temps c'est très différent Plague of Shadow par rapport au Shovel Knight. Je sais pas si ce serait tenté de faire ça, sapin. Et en vacances, sapin, je savais pas, tiens, ma bonne vacances à sapin, je sais pas s'il regarde. Je sais que des fois il regarde. Ah, il déménage, ok, c'est pas vraiment des vacances en soi, enfin. En tout cas, bon courage à sapin pour le déménagement. Je sais que des fois il regarde la matinale, peut-être pas aussitôt, mais bon. Hop. Hop. Y'a quoi là? Donc le passage pour avoir l'engrenage. Ah, je peux pas me prendre ça, c'est vrai. Ok, ça me tue, j'ai pas remarqué. Je pensais que ça repoussait juste un petit peu. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas console mania, c'est ça? Alors ça dépend hein, des fournisseurs, hein. Des fois tu l'as bien plus de temps qu'un jour. Hein. Putain mais sérieusement, allez c'est vrai que tant que c'était tant que c'est pas. C'est un peu le problème de tout aiguiller, c'est que ça touche pas en fait, tu peux attendre très longtemps. Hein. C'est Ken qui remplace, ok. Mais du coup, il va faire ça depuis Webedia, il va le faire depuis où? Ah mais je fais de la merde, je fais de la merde. Je fais de la merde à fond, je vais aller vite. Je vais aller vite et je fais de la merde. Ne pas confondre vitesse et précipitation, je dirais jamais assez, mais là je vais vraiment trop vite pour des conneries en plus. Hein. Je suis vraiment de la merde là. Voilà, c'est bon. Hop. Parfait. Comme mon plan depuis le début. Mais j'ai appuyé! Non mais j'ai appuyé mais... Mais non! Je ne vais pas m'énerver. Eh, on passe à un bon moment. Je ne rage pas du tout face à la situation. Je suis content de faire cette matinale sur Shovel Knight Plague of Shadows. Je passe un très bon moment tous ensemble. Tous ensemble, on passe un grand moment sur Gaming Live, sur la TV1, sur le petit déjeu 2 bien sûr. Parce que on s'éclate vraiment. Voilà, j'ai encore pris un coup gratuit parce que ta mère. Allez mais tape. Tape putain. Non mais casse-toi, casse-toi. Mais je vois rien.
Et en plus, je peux pas faire un pogo stick là-dessus, quoi. Je peux pas faire un pogo stick qui est totalement craqué dans... Oh là, dans Shovel Knight, là, je peux pas. Oh la merde. Doulélé. Et ça fait un dégât. Et mais... Mais vous... Ok. Mais vous êtes sérieusement... Vous êtes sérieux? Un dégât pour ça? Ah non, mais en plus, je suis content, là. Karaté Café... Devil Sword. Mais non, mais... Je vais fermer ma gueule et je vais jouer. Juste fermer ma gueule et jouer. Non mais... C'est le DLC gratuit, c'est ça. Des collisions de merde. Bon, j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai hâte de chercher ma vie, de chercher ma thune, on avance. Si seulement j'avais le pogo stick comme Shovel Knight, serait... Ce passage est gratuit avec le truc où vous faites pogo stick sur les engrenages et c'est gratuit. Et c'est gratuit, mais là il n'y a pas ce pogo. Pas grave, on vit un grand moment. Hop, la bestiole de merde. Le fameux trésor pour avoir l'objet gratuit. L'engrenage, voilà. Ah, le café. Oh merde. Hop. De la vie du poulet. Parfait. Veux-tu mourir? Merci. Très aimable.
Si il faut aller en bas ou à droite, le secret il est en bas ou à droite, c'est ça le truc. Du coup je sais pas si faut aller à droite ou en bas. Ou à droite ou en haut, excusez-moi. Bon faut aller à droite, c'est le truc secret à mon avis, hein, c'est... Alors casse-toi le truc, casse-toi bien. Ouais, je m'en fous de la thune, j'avance. Y'a quoi à droite déjà? Non! Oh, je suis très mauvais ce matin. Je suis très très mauvais. Hein. Au moins, j'ai pas besoin de refaire le passage en bas à droite. Je vais direct à gauche. Allez, on y va. Voilà, deux trucs, ça passe. Et on avance. Aller là, donc faut que j'aille au milieu je crois, ou après à gauche. Là quel engrenage il me semble. Je vais reprendre la cuve. Ouais, c'est là. Alors, il va me proposer un pouvoir contre la relique. Une folie frénétique s'empare de vous. Ça fait quoi? Ouah, je suis en mode speedrun en fait. J'arrête du coup comme un gros taré. Alors, je sais pas si c'est une vraie utilité à ça. Mais ça reste rigolo. Du coup, on va plutôt prendre la cuve pour les phases de plateforme, bien sûr. Hop. On n'a rien à battre, j'avance. J'avance, je n'ai rien à battre. Là ça va un peu mieux. Et à gauche il y avait un poiscaille. Hop. Oh la cuve. Ah je suis bon pour les potions, ouais, c'était 80 qu'il me fallait. Y'a quoi à droite? Ouais, j'ai tellement peur en fait. De la thune, parfait. Hop, je me laisse tomber. Voilà.
Hop. Oh merde. Il m'a bien eu lui. Il m'a bien eu. Oula. Toi tu meurs. Allez, hop, de la regagner. Gagner un cœur en tout, c'est pas si mal que ça, quoi. Hop, voilà, je gagne de la vie pépère, je reprends les cuves, et on avance. Et il y avait un truc là, attendez, je vois. Un petit engrenage là. Il y avait un poulet, bon, pas grave. C'est pas la fin du monde. Oula. On voit qu'est-ce qu'il y a là. Merde. Hop, un tonique, je reprends la cuve. Hop, un, deux, un, deux. Oula. Voilà, et on peut avancer tranquillement. Enfin, tranquillement, tout est relatif, j'ai envie de vous dire. Mais t'es sérieux? T'es sérieux? T'es sérieux? Non, mais... Merci. Du coup, là, je vais prendre... Hop, un peu de potion de liquide de sangsue. Merde. Hop, je bourre. De toute façon, je gagne de, plus de vie que j'en perds. Donc, c'est garanti. Très bien. Ça, c'est bon. Bon, j'aurais pas 7 trucs verts malheureusement. Tant pis. Soit on vise pas le 100% encore. Peut-être plus tard éventuellement, mais... Pépère, first try. Le boss est juste là, si je me trompe pas. Hop, tonique. Son tonique, c'est garanti. Ce que je fais, c'est... Je prends... Limite, encore mieux. Je commence avec mon fumigène. Comme ça, je suis invincible. Je fais ma potion pour être sûr de la réussir. Et après, j'infinise avec... mèche rapide, gros truc. On va faire comme ça. Oh, mais qui voilà, Black Knight, je m'attendais à un peu de ta visite. Ok, blablabla, le respect, il est mort, MDR. Hop, on fait ça. On est invincible. Hop, première phase, easy. Hop, deuxième phase, on prend le truc en cloche. Peut-être un peu standard, parce que je sais pas si ça va toucher, on va voir. Hop. Hop là. Les dégâts de taré. Voilà, gros boss, hein. Hop, je reprends de la vie. Voilà. Café. Pourquoi se prendre la tête?
Ah, ça DPS tellement, ça reste sur place, ça me re-soigne. Ah, le combo est craqué, hein. Courbe parfaite, dégâts de taré. Oh, avec Shovel Knight, il est intéressant, ce qu'il faut poguer sur sa tête, mais là, c'est gratuit. Ah, déjà, on va faire des recherches. Ah, il a pris cher, hein, totalement. Il était quand même dans la marge, je ne sais pas. Oh, ouais, il faut toutes les crypto pièces, ça va être chaud, hein, ça par contre. Explose au contact. Les étincelles blessent. Merlurne, unité offensive, dépose les pieds à votre bombe. Aller-retour comme Wang. Ah, ça peut être intéressant ça. Ça, c'est le contact, ça peut être intéressant ça aussi. Ok, je vais donner une note. Alors, on va voir ce que j'ai de nouveau. Donc, ça, j'ai quoi? J'ai une onde tourbillon. Ah, mais la mèche est rapide, donc ça m'arrête ça. Si je fais ça. C'est sympa. Enfin, sympa, c'est rigolo. Je sais pas si c'est vraiment une utilité. Mèche à l'impact. Ah oui, attends, du coup, par rapport à mèche courte. Alors, en fait, c'est parfait. Si je... le combo mèche à l'impact et ça, c'est le meilleur combo que je puisse avoir. Et ça, j'ai dit quoi? Poudre étincelante. C'est pas mal pour vider si le mec il est un peu à côté. Ouais, c'est plutôt intéressant. On propose qu'elle m'achète plus, elle me propose plus rien. Ouais, c'est terminé. J'ai fini. Donc la note, les notes, bonjour. Ah, il y a 3000 quand même. Alors. Achat, on peut acheter ça, dépose des bons à vos pieds. Là, j'ai pareil, ce que j'ai en choc, en saut. Monte dans les airs, faisant pleuvoir des pics de glace. Transperce des ennemis comme un coup de canon. Là, j'ai pas usé les autres. C'est vrai que celui-là est très bien pour se déplacer là, le saut choc. Ça fait quoi ça? Ouais, mais ouais, non. C'est super immaniable. Alors que ça, le choc flottant est garanti pour être pépé. Hein. Mais hop. Oh. Ok. Voilà. Bon, on verra ça, messieurs, dames, après la pause de 5 minutes. On essaiera de faire le Black Knight une deuxième fois. Les totos. Info. Et on peut voir les. Il manque juste une, celle que j'ai ratée tout à l'heure. Bon, petite pause 5 minutes, messieurs, dames, et on revient pour la suite de ce petit déjeu de toujours sur Shovel Knight Plague of Shadows. On a encore, ouais, on a encore 1h15. Il reste 2 boss, et après on aura le château qui sera assez vénère. Donc là, restez là, on se retrouve dans 5 minutes, à tout de suite. Et nous voilà, après ce sommet à 3 lettres. Allez, hop, juste laisser un peu mon retour, et on continue ce Shovel Knight. Il y a pas mal de boss à foutre en l'air, quoi. Alors, du coup, on va se refaire le Black Knight. Je ne veux pas le perdre. Dites-moi quel est votre prix, faites-le pour moi. Le plus faible lunatique à obtenir plus de pouvoir pour séduire la majestice. Vous plaisantez, vous cherchez juste à faire monter les enchères. Bref, là, on va le battre, ça va être gratuit, car avec notre stuff, c'est totalement craqué. Hop. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Très bien, hop. Mais c'est quoi son problème? Hop. Alors du coup on va prendre comme ça. Poudre à répétition. Impact. Hop. Comme ça j'ai le temps de faire mon truc de soin. Il veut pas, hein, il veut pas, décidément. Et arrête de faire ça. Hop. Bah finalement, ça serait mieux que je le fasse téléguider, parce que là, il touche rien.
Mèche à sentinelle. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Hop. Voilà, le suicide. L'élève est officiel, ouais. Bon, c'était gratuit. Totalement gratuit, finalement. Hop. Où était le parti ici? Et là, en fait, de toute façon, c'était la magicienne depuis le début. Moi, je pense que c'est ça le plot. C'est qu'en fait, la magicienne, c'était... enfin, l'assistante Mona, c'était la magicienne depuis le début. Ça me paraît un peu gros, mais je pense que ça doit être ça, l'histoire. Bon, duel à la cool. Ah, la chimiste, les récits des exploits sont répandus par mot et par mot. Une personne intéressée, je suis en quête des meilleurs combattants pour les mettre à l'épreuve. Ok, il cherche le meilleur combattant. Putain, c'est tellement gratuit qu'on y laisse faire. Allez, hop. En fait, le temps que je me reprends un coup, c'est pépère. Hop. Allez, viens par là. Et le suicide. La gratuité. J'ai mal jugé ton potentiel de combat. Sur 12 attaques, tu as fait mouche. Sur 12 attaques, tu as fait mouche 20 fois. Ta précision, ouais. Très bien. Non mais... Ah! Non mais... Ouais, pour la fin de la thune, quand même. C'était... je sais plus quoi, en 3 lettres. Je compte pour lettres, je sais plus. Bon, allez, on va se faire ce niveau-là, qui est un niveau des plus vénères avec le vent. Cuve... Du coup, là, je remets en mode comme ça, impact, poudre noire. Wow. Salut ceux qui viennent d'arriver au passage. Hop. Ok, j'arrive même pas à monter une échelle, c'est formidable. Hop. Hop. Pépère pour l'instant. Bah, je sais, je vais prendre un coup bien sûr gratuitement. En mode rien à foutre des ennemis. Tellement rien à battre. Attends, ça se recharge. Y'a pas un truc là? Non, y'a rien. Quoi, des ennemis? J'ai rien vu. En fait, quand tu maîtrises le sauvant plus la cuve, t'es tellement craqué en termes de déplacement. Ah, mais t'es sérieux? Hop là.
Bon, il y a un moment où merde, quand même. Oh mais merde, j'ai raté mon relâché mon saut à la fin quoi. As-tu parlé de la config PC? Non, j'ai pas parlé. Hop. En tout cas, il n'y a pas grand chose. Hein. On pourrait vite en parler en dernière partie. C'est vrai que c'est un peu la misère à pas dire que Hitman est repoussé. Hop, c'est bon. Il y a un truc là. Merde. Non, mais laissez-moi. De pièces là. Hop là. C'est chaud quand même là. Hein. On sent qu'on arrive vraiment un peu vénère. Hein. On passe un peu vénère. Donc là, on aura le truc qui va être volé. Non, j'ai dit que le pire mécanisme, ça c'était de la merde. Ça. Le choc de base, c'était le pire saut du monde. Ça. T'as aucun air control, c'est injouable. Ça, c'est bon. Le choc de base, c'est un des pires sauts de l'univers. Je tiens le... Ah c'est ce que j'ai dit, oui. Mais le saut vent c'est bon. Mais le saut de base, le choc de base c'était de la merde. Hop. Ah merde, je vais mourir là en fait. Après, il vaut mieux qu'il repousse même pour qu'il fasse un bon jeu, quoi. Hop, cuve. Allez, je me sais qu'il y a un truc là. Voilà, pour avoir le fameux truc. Hop. Oh, je décharge le truc contre une relique contre ça. Donner une succession de coups rapides. Ok. Ok, ça fait pas mal de coups rapides en effet. Alors est-ce que c'est utile vraiment? Peut-être pour bourrer un boss éventuellement. Mais c'est pas ça que je veux, c'est cuve. Rien à battre des ennemis. Rien à battre. Ah la Call of Duty, c'est la PS4 Call of Duty dégueulasse quoi. C'est ça en fait. Bah là c'est une extension gratuite en fait. C'est un...
une mise à jour, on va dire qu'elle est une extension gratuitement. Par contre, il faut terminer le jeu une fois pour l'avoir en fait. Vous n'avez pas terminé le jeu, vous n'avez pas accès au Plague Knight. Voilà. On est bien. On est pépère. On passe un bon matin sur Gaming Live. Il y a un code, ok. Ouais, mais faut quand même terminer le jeu normalement pour bien comprendre le jeu, pour bien comprendre le truc quand même. Ça serait con de se passer, de passer à côté du vrai jeu, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est galère là, j'ai pas de truc pour faire un pogo stick malheureusement. Ce niveau est tellement plus simple qu'avec Shovel Knight par contre. À part les passages avec les boulets qu'on peut pas faire un pogo à l'infini, c'est le passage est tellement stylé avec le saut vent. Hop là. Saut vent plus cuve, c'est craqué hein. Hop là. Non mais je suis con à ce point là. Ouais, je suis con à ce point là, ouais, en effet. Voilà. Hop. Moi, il était bloqué le mec. Rien à battre, je me casse. Et merde, ouais non. Idée de merde. Par contre, à mon avis, je vais abuser là à ce moment-là de l'espèce de truc de boule camouflage. Idée de merde là, une grosse idée de merde. Bon, tant pis pour la thune, hein. Merde, j'aurais bien le truc à gauche quand même. Décidément, ça ne veut pas. Oh, attends, puis j'aurais pas la pièce verte. Mais non, j'ai sauté. Pas grave. On est près du boss, c'est pas la fin du monde. Et merde, je vais dedans. J'ai perdu 4000. J'ai perdu 4000 en faisant de la merde. Mais je le vis bien. Et si c'est tout ce qui compte. Je commence à moins bien le vivre finalement. Je le vis un peu moins bien en effet. Bon.
Non, mais c'est pas un DLC, c'est un contenu gratos en plus. Enfin, c'est un DLC gratuit si vous voulez l'extension là. Mais wow, pile poil. Parfait. Oula, idée de merde. Oula, c'est pile poil. Non, on peut pas rebondir dessus, y a pas de pogo, hein. Oh putain. Wow. Wow. C'est passé. Très bien. Et donc que mes cuves se rechargent quand même, enfin la magie se recharge. Alors, du coup, que je vais faire? Je vais prendre urne rebondissant ou urne cloche, je pense. Point répétition et impact direct. Vulgaire piéton, moi j'ai donné une entrée fracassante. Mais c'est chez vous, les scientifiques, la substance prime toujours sur le style. Entendu, une délicieuse rumeur, tu jalouses ma saveur naturelle, hein, comme tout le monde. Sa saveur. Ça ne veut rien dire. Allez hop. 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 Aïe aïe, il est déjà en mode phase finale. Mèche sentinelle. Merde, faut que je fasse gaffe, c'est vrai. Faut que je fasse gaffe à ça. Vas-y, ramène-toi. Il a esquivé ce con. Non! 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 Je suis tombé comme une merde. Bon, le truc, il faut que je bourre directement. Directement, je bourre. Bon, direct. Hop. Pourquoi j'ai ça? Ah, c'est pour la répétition, ouais. Et je fais mèche à l'impact. Et je bourre. Hop. Merde. Mais j'ai fait... Ah non, ma magie était en train de se recharger, c'est normal. C'est normal. Oh, la manette Xbox One, j'aime tellement pas, ça parle de ça. Les boutons là sont tellement nuls à chier. Alors que sur PS4 c'est direct, enfin. Après chacun son truc, mais c'est vrai que c'est pas. J'aime vraiment pas perso. Merde, j'aurais raté mon truc. Hop là, il va crever à force. Voilà, on bourre. Oh putain, non! Ok.
Si ça valide, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Si ça valide. Allez, plus que un. Alors on va acheter ça dans le doute. Du coup c'est quoi les sous les sous-chocs? Ouais non. Pas de air control. Ah c'est un screw attack ça. Bah ça c'est une attaque, c'est un choc tournant, c'est un screw attack dans quand dans Metroid. Bon. Il reste plus que celui-là, après on fait la dernière pause et on ira au château. De toute façon, je préfère tellement la manette. Après, c'est mon avis perso, mais je préfère tellement la manette PS4 à la manette Xbox One. Mais après, c'est une question d'habitude, je pense. Mais juste les L1, R1 sont bien mis. Et une vraie croix. Pas une croix de merde comme sur Xbox One, quoi. Hop, je vais mettre sur le truc noir et en urne rebondissante. Ok, le suicide d'un loup, pourquoi pas? Qui suis-je pour juger? Hop. Ensuite, je reprends ma cuve pour ETFR. Vas-y, quand c'est plus solide, mais j'ai aucun problème avec ma PS4 personnellement. C'est peut-être plus solide, mais c'était aucun problème. Enfin, voilà quoi. Après, la meilleure manette du monde, il n'y a pas de débat à voir, c'est la manette GameCube. Hop. Oula! Oh putain. Hop. Merde, j'ai appuyé sur bas alors je voulais faire une petite glissade. Et on commence à le faire. Hop. Disparaître toi. Quoi? Mais je l'ai pas. Il m'a pas touché. Mais il m'a pas touché. C'est un scandale. C'est un scandale. Que fait la police? Ça me touchait pas. Alors. Alors là, c'est quand même scandaleux ce qui m'arrive. Il a appelé Julien Courbet. Thank you.
Non mais, arrête de faire de la merde le jeu. Quoi? Ah ok, c'est le truc de glace qui fait les flocons derrière, c'est vrai. Le suicide. Non, il craint pas ça, ok. Hop là, rien à foutre. Casse-toi, loup. Oh, c'est esquive MLG. Hop. Oh la merde. Là, ça pue la merde. Je vais quand même prendre une bombe fumigène. La corne là. Hop là, et on avance. Hop, je reprends ma cuve. Il y a quoi à gauche? C'était le passage. J'ai loupé une pièce verte. Non, j'ai rien loupé. Parfait. Hop. Quoi? Oula, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai failli mourir. Et gênant, c'est assez gênant, mourir de... Quoi? J'ai dû être un poil plus rapide que la neige, c'est pas grave. C'est pas grave, on passe un bon moment, on est pépère. Bon, j'étais pas très loin de là finalement. Ah, c'est qu'il y avait une bombe qui m'a poussé, c'est normal. Aucun vrai sur PS4, mais oui. Du troll, même pas je répondrai à ça. Même pas je répondrai à ça. Songe-moi, le meilleur combo c'est PC Wii U en soi. C'est vrai que ça troll sur le chat. Il y a un truc là, il y a quoi? Ouais, non, c'est... Ok, comment je pousse ça en fait? Il y a moyen ou pas en fait? Parce que là... Si je mets un truc traçant là. Ok, si je mets une mèche rapide. Ok, ça sert. En gros, on peut pas le prendre le truc. Ok, ça ne sert à rien. Fort bien. À moins que, attendez. Un coup de bâton. Alors, ça ne sert à rien. Ok, ça ne sert à rien. Et je suis mort. Et le dernier checkpoint, me dis pas qu'il y a perpète.
Si la perpète. Ah non, il est là, c'est bon, ça va. Allez hop. Non mais elle a toujours pas trouvé la tube pour la corne. Il devrait être bientôt je crois il me semble. Ça on s'en fout, on skip. Là il y a du poulet sans doute derrière ça, voilà. Là je fais tourne en cloche. Et là c'est à gauche là qu'est le fameux pouvoir qu'on débloque. Hop. Ok, là tu commences à accéder en plus. Ok, alors qu'est-ce qu'on propose? Blesse les ennemis au contact sans subir de recul. Ok, donc en gros, je rentre dedans quoi. Alors c'est pas ça que je voulais faire, c'était plus ça. Merde, non c'est bon. J'ai presque pu. J'ai pu me faire niquer par la jauge de magie finalement là. Attends, du coup, hop, urne. Hop, et on passe tranquillement. Hop. Voilà. On avance tranquillement, urne en cloche. Merde, non, pas jusqu'à ça. Non mais je cherche les armes. Mais les mecs, arrêtez de troller, enfin je veux dire. Ça sert à rien votre discussion les mecs. Vos discussions elles servent à rien sur le chat. Allez, je retombe. On ne veut pas que les gens comprennent que le principe du troll en fait. Que la discussion ne sert à rien. Quand même pour vous expliquer à internet quand même le chat, ça serait un peu triste. Après pour le débat, hein, Sega Nintendo, j'ai envie de dire, il y en a un qui fait encore des consoles, il y en a un qui fait des jeux de merde, à part Yakuza. Donc bon, le débat à Sega Nintendo, voilà ce que j'en pense. Hein. J'ai beau aimer les licences Sega, d'ailleurs je préfère Sonic à Mario en soi, mais voilà, il y en a un qui refait encore des consoles, j'ai envie de dire ça. Oh putain.
Merde, 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 ça va être chaud là. Ouais, c'est évident. Là, j'ai merdé mon saut. Dans ce cas, Total War, on peut dire que Square Enix fait des bons jeux avec les. Avec les. Deus Ex finalement. Vu que c'est le même groupe. A fait, ouais, ces gars a fait. Ces gars a fait. Et ils font quoi maintenant? Bah, chez nous en même temps, les mecs ils mettent des tuiles sur un jeu qui se vend pas, c'est. Regarde, mais. J'adore Fantasy Star, mais en soi, c'est. Pourquoi ces gars a des triple A? Parce que ça se vend pas. Ouah, j'ai failli mourir bêtement là. Ah ouais, plus c'est gros, plus ça passe hein, chez les gens. Ça qui est formidable. Donc on peut dire des choses et des gens, ils. C'est pas ils marchent, c'est les gens, ils courent, hein, ils courent. Ils courent sur l'autoroute hein, en sens inverse. Hein. Ah merde, attendez, hop, le barbu, gna gna gna. Boulette. Mèche impact. Répétition. Tourbillon. Merde, je suis tombé sur le pic. Oh, je l'ai bien bourré, mais. On fait la même phase. Fumigène, élixir de sensu. Merde, cuve. Quoi? Non mais quoi? Mais oui, c'est. Nous voilà la barre jaune. Non mais je m'en fous. Vite, mais utilise ta putain de magie. Ouais, j'ai complètement bourré, mais ça marche. Café. Le port la night, voilà, et on va arriver au château. L'avant-dernière essence, j'ai accompli un travail. Et au grand moment, je vais dire le décompteur de mana pour assembler les essences. Du coup, il reste quoi? Faudra l'enchanteresse, c'est ça? Ouais, ça devient quoi du coup? Ça transforme en potion. Ça devient ça, ok, une grosse potion. Non, ça va, ouais. Qu'est-ce que j'ai gagné du coup? Ah, mais du coup, j'ai rien gagné avec toute cette histoire là. Mais genre que dalle.
Pas de nouveaux trucs. Ok, je suis un peu triste quand même, un peu blasé. Là, elle va arrêter. Ah oui, du coup, il revient à sa place là. 2000. On va aller voir vite fait. Vite fait le château en l'air. Alors, on est bloqué quoi? On est bloqué. Non, je t'ai vu. Ça va? Bon. J'ai prévu des conneries pour mon bureau à Webedia. J'ai mis des figurines à l'intérieur. Ouais, parce que je suis un adulte responsable, bien sûr. T'as pas des peluches au pire? Sous ton canapé? Sous le canapé, mais ça prend la poussière, sérieusement. Comment ça protégeait du chat? Bah justement, à Webedia, ils sont protégés du chat. Pense à ça, finalement. Ok. Allez, château, on va pas faire de pause là, tant pis. Putain, les trolls à l'infini de ça. Putain, mais sérieusement, il y a combien de poissons à la con là? Les poissons féconds. Rien à battre, je skip tout. Jean-Michel Skip vous présente son best-of. Venez. Bon, faudrait que ça crève. Voilà. Allez, petite dernière. Jean-Michel Skip. Hop. Voilà. En fait, si je temporise les sous et c'est bon. Bon coup de bourre. Voilà. Comment? Quoi? C'est Monster Hunter, ça, je crois, non? Bah, c'est les bestioles de Monster Hunter, quoi. Je sais pas ce que c'est d'être une créature dinosaure, quoi. Ouais, mais un insecte dinosaure, tu vois. C'est une coccinelle, mais n'empêche, ils ont neuf leur truc, hein. Au début, je pensais que c'était carrément Capcom qui leur envoyait le truc, tu vois. Putain, il m'énerve ces putains de poissons de merde. Non, c'est qu'est-ce que je vais faire? Comme ça, je suis relativement safe. Voilà. Hop. Allez, heureusement, c'est vrai qu'il y avait une pièce là. On va bourrer le boss. Enfin, le griffon de mes couilles là. Cube. Voilà, là c'est bon. Poulet. Non, pas ce passage-là, je me souviens. Non, non, non! Ce passage qui m'a vraiment cassé les couilles.
Là, il me reste bah le château, quoi. Mais non, mais... C'est pas grave. On va faire orbital. Merde. Mais non. Refais la même erreur parce que je suis bien con. Voilà, merci, tu meurs. Mais non, mais j'étais à gauche! Mais non, mais... J'aurais dû prendre une pause. Là, je suis là, c'est comme ça. Là, c'est entièrement ma faute. Ces passages où c'est vraiment galère à streamer, à réfléchir, à agir en même temps rapidement. C'est bon, on avance. Va crever, bordel de Dieu. Hop, nique-toi. Hop. Rien à foutre des ennemis. Je trace ma route. Hop, rien à battre de ce que vous faites, les mecs. Ouais, je pose ma crotte. Hop. Ah
poulet. Poule, poulet. Mais non, mais... Ah, ok, j'étais trop bas pour... Attendez, il y a un checkpoint au moins. Oui, il y a un checkpoint. Hop, je m'emballeque. Il y avait une bombe. Oh, une bombe formidable. Tout ce qu'on aime. Ah, quand je gagne un peu de vie. Voilà, je reviens à fond, je reprends la cuve. Non, alors, je suis pas d'accord, la manette PS4 est vachement plus confortable en termes de positionnement des boutons gâchettes. Hein. Bon, je sais à faire des pas d'infirme, hein, si vous voulez, hein. moi je joue, hein. Oula, il y avait un vide, il y avait un trou là, ok. J'en ai tellement rien à battre. J'avance. On va pas faire le 100%, ça sert à rien. J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. On veut trouver Alex Lick derrière. Mais c'est ch... Restez calme. Les fausses plateformes. La fausse plateforme de merde. Je suis un peu de ma host après, bah non, je fais de la VOD pour Gaming Live et ce soir je réalise ma repasse pour piste. Ah ok, je suis con, il y a un repère, si, il y a un vrai repère. C'est ça, quand tu vois que c'est de l'eau là, enfin les trucs là, ça veut dire qu'il y a une plateforme, faut vraiment le voir. Hein. J'ai complètement oublié. C'est ma faute. Et j'ai été de mauvaise foi là. Je suis de mauvaise foi depuis tout à l'heure. Tu vraiment je supporte ta présence une fois de plus. Tant que tu auras après l'enchanté, j'en aurai après toi. Super, ça me permettra de rigoler un peu. Juste un truc. Pourquoi tu es allé à Mona? Elle a tenté de m'acheter pour que je t'offre les 100 enchantés sans combattre.
Nas fait ceci pour moi. Étant corruptible, je n'ai vraiment voulu entendre. Nas a fait ça pour me protéger. Il faut la potion. Allez, hop. Tourbillon. Voilà. Salut. Ah bah sinon le chat. Ah merde, il s'est décalé. Mon plan machiavélique. Et je me régénère. Attendez du coup. Et voilà. Tu tiens clairement à elle, mais pourquoi en arriver là? Pourquoi être besoin de plénipotence? Je veux juste devenir plus fort et peut-être qu'alors elle m'aimera. Imbécile, doit être du pack, c'est déjà le cas. Ah, la violence, c'est le seul moyen. Pépouze. Voilà, pépouze. Je pense pas qu'on aura le temps en 10 minutes. Hein. Ça va être chaud en termes de timing. Et merde. Deux, c'est quand le problème, c'est que si je serre mon tir, en fait, je ne peux pas le relâcher quand je veux. Parce que sinon, bah, ça fait un grand saut, je me prends les pics. Et là, c'est plutôt chiant. Ça, c'est assez relou. Finalement, je suis obligé de... urne de plomb. On avance. Phase monde de lave. Putain mais... Attendez du coup, je vais en profiter. Ah, quitte à perdre du temps, autant gagner de la vie. Hop. Je reprends une rebondissante cuve. Merde, 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 merde. Oui, non, j'aurais dû attendre, là. J'ai voulu aller trop vite. J'ai voulu aller trop vite, malheureusement. Et
J'ai raté ça, vraiment que le con. Ne pas confondre vitesse et précipitation comme dit souvent. Ok, je fais quoi là? Je passe au-dessus? C'est ça. Hop, take damage, to save time, ma gueule. Alors toi, t'aimes bien me casser les couilles. Voilà. Checkpoint phase avec les fameux rouleaux. Jason des rouleaux. Il reste 4 minutes. Putain, on aura pas le temps. Spoiler, on n'aura pas le temps. Ouais, 4 minutes n'aura pas le temps. Bon, on n'aura pas la pièce verte, tant pis. En fait, j'ai bien pensé que le pile poil le temps, c'est si tu en prends, tu prends un deuxième. Non, non! C'est bon. Allez, casse-toi, sac à merde. Casse-toi, je disais donc. Allez, casse-toi, sac à merde! Ah oui! Je crois que c'est là le boss rush. On est si près du but! 2 minutes! Je crois que c'est là le boss rush, ouais. Bon! Sans surprise! Ouais, c'est là. Oh mais qui voilà donc, qui s'invite à notre charming soirée. Tu as retard pour le paiement de ta cotisation, alchimiste. Bienvenue. Shovel Knight, tu l'as amené jusqu'ici lui aussi. Quelle est donc cette folie? Nous chargerons bientôt de lui. Je veux d'abord savoir ce que Plague Knight fabrique par ici. Oui, 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 tu... Ah oui, 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 tu viens d'intégrer mon essence, pauvre aléné. Il ne me reste que mon courage. À défaut de courage, King Knight, il te reste encore un peu de ton essence. Elle a juste été affaiblie. Nous ne formions une si belle équipe, mais tu ne penses qu'à toi, quelle misère. La force fait loi, n'est-ce pas la devise de l'ordre? J'ai juste pris l'initiative. Passe-moi le sel. Ok, il faut pas que je fasse le tourbillon, faut que je fasse la rebondissante. Hop. Je vais attendre en fait hein, pour le prendre la tête. Urne. Allez, meurs! Mais putain, prends tous les trucs! Allez, plus que un.
Plus qu'une minute, dernier essai. Et tant pis. J'ai complètement saqué. Ah, c'est pas le même ordre, c'est vrai, c'est au pif un peu. En fait, j'ai pas les pics, donc ça m'arrange quoi en fait. Là, il y a des pics finalement. Ah, il est mort. Ah bah le King Knight, c'est mon sac hein. Voilà, un de moi. Hop, urne, flush. Merde, j'ai raté, j'ai raté! Allez, hop. Et je suis mort, ouais, je suis mort. Allez, je vous laisse, vous retrouvez Alexic dans 5 minutes, désolé. Et puis voilà, donc plein de bisous à vous, passez une bonne fin de soirée, on vous retrouvera ce soir à l'area de MPSTP à 19h. Et passez une bonne fin de journée, ciao.